En général, ce sont les natifs des vallées de montagne, de Chamonix, de Courmayeur, de Zermatt, de Cortina d'Ampezzo qui sont guides de père en fils. Et vis-à-vis des Chamoniards, à cette époque, Gaston Rebuffat avait un sérieux handicap. Il était né au bord de la mer à Marseille. Mais il a eu une grande chance, parce qu'aux portes même de cette ville bruyante, il y a un jardin d'une grande beauté, la côte des Calanques. Les Calanques sont ces golfes étroits et profonds, mais par extension, le nom de Calanque a été donné au petit massif calcaire qui s'étend entre Marseille et Cassis sur 20 km de long. Ainsi, la côte des Calanques se trouve le long de la côte d'Azur, mais c'est encore un coin de la côte qui n'a pas été trop abîmé par les routes, les bars, les hôtels. Espérons que ça durera. Dans les Calanques, Gaston Rebuffat a appris à grimper, mais le plaisir de l'escalade serait bien pauvre s'il ne s'incorporait parmi d'autres plaisirs plus importants. La nature restait vierge, le silence et la solitude qui nous lie à elle. Dans les Calanques, il y a la rencontre heureuse de ces deux grandes lignes simples. Il y a la ligne verticale qui donne la profondeur du ciel, mais aussi l'horizon qui suggère l'infini des espaces marins. Et c'est pourquoi les escalades dans les Calanques ont un caractère vraiment à part. En ce moment, c'est l'escalade de la tour de l'île de Riou. Cette tour, vous la voyez de profil, mais vous allez bientôt la découvrir de face et vous verrez combien elle est haute et toute pure. Maintenant, c'est la grande Candelle et son fameux pas. La grande Candelle n'est pas une grande montagne. 475 mètres d'altitude. Mais cela, droit au-dessus de la mer. Et c'est un réel plaisir que de grimper entouré d'un si beau paysage. C'est donc sur ces rochers que Gaston Rebuffat a passé les meilleurs de ses dimanches durant son enfance, sa jeunesse. Et le reste du temps, m'a-t-il dit, je ne rêvais que de montagne.
Et c'est ainsi qu'un beau jour, il a quitté Marseille pour aller à pied à Chamonix voir le Mont Blanc. Traversant sa Provence natale, passant ensuite par les montagnes du Dauphiné, à la Grave, au pied de la Meije, et puis enfin le Mont Blanc, entrevu depuis les montagnes du Beaufortin, le col des Saisies, pour finalement arriver à Chamonix. Avec cette simplicité, cette évidence dans cette appellation Mont Blanc. Et quelques années plus tard, le beau rêve de Gaston Rebuffat s'est réalisé. Il est devenu guide de Chamonix. Ben, quant à moi, c'était violoncelle à la main que j'ai fait mon apparition dans les rues de Chamonix, en rencontrant par hasard le grand guide de Gaston Rebuffat. Et je me demandais, mais où est-il ce Mont Blanc ? J'avais été engagé comme violoncelle solo et unique à la brasserie centrale de Chamonix. Le patron, qui croyait avoir affaire à un client, était fort désolé de voir que je n'étais que son violoncelliste. Et tout en lisant des récits extraordinaires de haute montagne, je guettais l'arrivée du petit chemin de fer du Mont-en-Vert qui déversait vers 5 heures son flot de voyageurs qui avaient traversé la mer de glace. Et Gaston Rebuffat, qui avait bien remarqué mon envie de faire la montagne, me disait « Tu viens ?» Je disais « Oh, je peux pas, j'ai encore quelques mesures à compter. » Mais où allait-il ce Gaston ? Eh bien, il allait tout bonnement s'entraîner sur les rochers qui bordent la route du col des Montets. Et vous pensez bien que de regarder grimper un si grand guide était une grande joie pour moi. Et sur ce rocher, appelé pompeusement le Petit Cervin, je vis Gaston choisir ses prises avec assurance et s'élever bien rapidement. Mais puisqu'un homme est passé, un autre doit pouvoir le faire. En avant.
Et sur cette route qui nous conduisait à Chamonix, nous fîmes un projet, un serment, comme celui peut-être de faire un jour le Mont Blanc. Le pourrais-je ? Demandai-je à Gaston. Mais nous le ferons bien volontiers, me dit-il. Aussi, le lendemain, muni d'un matériel de camping personnel et assez perfectionné, nous décidions de nous approcher de la haute montagne. Mais l'après-midi fort avancé, eh bien nous décidâmes de camper au milieu des petites fleurs. Et comme toujours, Gaston Robuffa prit la direction des opérations. Ah oui, Gaston m'avait recommandé de prendre quelques chapeaux pour le soleil sur le glacier. Et aucun de ces modèles n'avait l'air de plaire à Gaston pour l'instant. Pas même ce petit modèle, recommandé surtout en cas d'orage de dents. Non, ça n'allait pas. Donc maintenant bien équipé, le soir venant, la fraîcheur arrive aussi, il est temps d'aller prendre dans la tente un repos bien gagné, car la nuit est là. Et le lendemain, nous étions en haute montagne, au col du Midi. Gaston voulait me montrer là les premiers principes de la technique. Et il m'a dit, mais l'escalade, c'est simple. Il faut grimper comme l'on montrait à une échelle, petit pas à petit pas. Alors même si l'on est grand, il faut éviter d'aller chercher des prises de main trop haut. On serait alors couché contre la paroi. Il faut garder les mains le plus bas possible. Ne pas se coucher sur le rocher. Donc les mains un petit peu en dessous des épaules et garder avec la montagne trois points de contact, les deux pieds et une main, ou les deux mains et un pied. Vous montez calmement, avec réflexion. Et en bas de l'échelle, je m'impatientais. Donc rejoignons vite Gaston
mais c'est tout de même aller un petit peu trop vite en besogne, car il faut monter petit pas à petit pas. Et en poignée, à bras-le-corps, ce beau granit de la face sud de l'aiguille du Midi, dont quelques mois plus tard, Gaston Rebuffat et moi-même allions faire la première ascension. Mais pour l'instant, il faut éviter de se coucher sur le rocher parce que vous voyez, ça glisse. Mais où sont les prises d'antan? Attrapé grâce à cette technique mille pattes dont j'ai le secret. Mais Gaston vient, fort heureusement, me demander de m'écarter de ce rocher que j'ai l'air de vouloir à tout prix embrasser. Et regardez maintenant, bien dégagé, ce que c'est beau, un homme qui grimpe. Oui, là, le genou est un petit peu de trop. Voilà. Donc, les deux pieds et une main. Et avec l'autre main, eh bien, on peut toujours serrer celle de son compagnon. Et muni de ces derniers enseignements, et cet élan, mes aïeux, mais quel élan! Bon, je reviens. Il y a aussi sur le rocher de belles grandes dalles que l'on monte par simple adhérence du bout du pied. Et puis d'autres, beaucoup plus pentues, où tout le pied doit être en adhérence. Tout le pied, oh, heureusement, il y a même avec la haute montagne de sérieux accommodements. Et voilà ce qui s'appelle marcher dans l'ombre d'un grand guide. Le rocher ne se présente pas uniquement sous la forme de grandes dalles monolithiques, il est souvent fracturé. Il y a alors des cassures dans lesquelles nous coinçons les pieds. Ou bien alors, dans un effort inverse de chaque main, de chaque bras, il faut faire comme si on en voulait écarter les deux parois du rocher. Avec les mains, on peut aussi faire des coincements, comme on les faisait avec les pieds. Il faut alors faire opposition entre le bout des doigts et le dessus de la main. Mais la prise la plus habituelle reste la prise en traction, et dès qu'on le peut, de la traction, on passe à l'appui. Grâce à cette technique des pieds et des mains, l'alpiniste parvient à escalader des fissures à bord lisse, à bord franc et presque vertical. Habituellement, toute cette technique s'apprend à l'école d'escalade en bas dans la vallée de Chamonix, au rocher des Gaillons par exemple, mais dès le début, Gaston m'a emmené en haute montagne afin que je me trouve dans la belle ambiance de la haute montagne et en même temps pour que je m'habitue au vide. Et maintenant, Gaston Rebuffat m'a emmené à l'aiguille du Peigne. Il escalade la fissure L'Épinay. Ce furent Pierre Dalloz, Jacques et Tom de L'Épinay qui, en 1922, firent la première ascension de cette fissure qui porte le nom. Ensuite, Alfred Coutet, le grand grimpeur chamoniard, et Clément Comte, en 1930, firent l'ascension. Et en 1942, Gaston Rebuffat et Lionel Terray. Il y avait eu, lors des précédentes ascensions, des aides extérieures pour arriver au sommet. Mais Gaston et Lionel réussirent ce jour-là, sans aide, l'ascension de cette délicate fissure. Escalade de fissures ou de cheminées, de dalles,
de dièdre ou de surplomb, peu importe. Notre plaisir est d'être en montagne. Il semble que les montagnes ne sont bonnes à rien. Rien n'y pousse qui s'y vend, et plus haut, plus rien n'y vit. Il me semble que les montagnes sont non seulement faites pour le bonheur des hommes, et nous nous sentons tellement en paix sur ce petit coin de planète bien désert et bien à nous. Il y a donc ces cassures plus larges que les fissures, et nous les appelons alors des cheminées. Et ce n'est plus seulement le pied ou la main que l'on y coince, mais le corps entier qui y rentre. On fait alors opposition entre la pointe des pieds et le dos. Voilà maintenant ce que l'on appelle monter à la Dulfer. Du nom du guide qui mit cette technique en action, il faut se tirer très fort sur le bout des doigts et en même temps pousser très fort avec les pieds. Et quelques jours plus tard, est-ce que je pensais en savoir assez sur la technique, besoin d'indépendance? Eh bien, ce matin-là, je réservais à mon ami Gaston Robuffat une surprise. Oui, ce matin-là, je décidais de faire mon propre sommet. Et comme vous commencez à le penser, eh bien nous étions liés à la même corde. Et ce fut avec surprise que Gaston me vit arriver sur un autre sommet. Alors, que faire? Viens donc si tu l'oses, ai-je dit à Gaston. Et puis il m'a dit d'accord. Et ce fut une bonne occasion pour lui de me montrer la technique dite « traversée à la tyrolienne ». «
après un lancer de corde audacieux. Je vais fixer cette corde sur mon propre sommet. Et grâce à cette corde d'attache qui nous lie, Gaston et moi, je vais l'aider à traverser. Au fond, c'est le Mont Blanc. Grimper, bien sûr, nous plaît, mais le faire dans un cadre pareil, c'est un plaisir de plus. Et quant au rocher en haut à droite, eh bien jusqu'à présent, il a toujours tenu. Et nous voici dans les Dolomites. Oui, Gaston voulait me montrer la technique de l'escalade artificielle en vue des grandes courses que nous désirions faire par la suite. Et nous sommes donc allés où cette technique a vu le jour, le long de ces parois verticales et bien souvent en surplomb. Et puis Gaston était heureux de me montrer ces belles montagnes qui étaient nouvelles pour moi. On a souvent essayé de comparer les Dolomites, les Alpes occidentales. On veut toujours comparer, mais je crois plutôt que comme les fleurs, il faut bien mieux prendre des montagnes telles qu'elles sont, telles que la terre nous les donne. Là, nous sommes au-dessus de Cortina d'Ampezzo, à la Torre Grande d'Averao. C'est là que les guides de Cortina d'Ampezzo ont équipé des passages, donc vous ne nous verrez pas en train de planter des pitons qui sont déjà plantés, mais avec cette technique qui, à cette époque-là, était nouvelle, de l'étrier, du mousqueton, du jeu des cordes. Je vais donc de mon mieux aider mon ami Gaston Rebuffa à grimper cette succession de trois surplombs qui forment l'ascension de la Torre Grande d'Averao. Et où ces montagnes non seulement sont verticales, mais surplombantes. Or, dans le piton ainsi fixé, Gaston met un mousqueton. L'étrier qui pend vous montre bien que cette montagne est surplombante. De mon mieux, en bas, je soutiens mon ami Gaston. Voilà, nous avions deux cordes, une blanche et une rouge. Elle est au commandement de Gaston. Maurice tire la blanche, Maurice tire la rouge. J'essaye de lui donner satisfaction. Enfin, il avait confiance en moi. Thank you.
qui n'empêchait pas un petit côté mondain dans mon exercice. Quant au second, il a pour mission de récupérer du matériel laissé dans la paroi. Donc, il récupère les mousquetons, les étriers, et il n'est pas peu fier de bien les tenir en main, que tout cela ne soit pas redescendu en vitesse dans la vallée. Et nous voici, grâce à la photographie de Georges Terraz, où vous reconnaissez le granit de la vallée de Chamonix, nous voici donc de nouveau dans la face sud de l'aiguille du Midi, où Gaston a découvert cette grande fissure qui a été depuis bien souvent photographiée. Donc installant un piton, le frappant du marteau, il va faire son chemin jusqu'à la sortie du surplomb avec tout ce matériel. Bien sûr, toutes les ascensions n'ont pas des passages aussi difficiles, mais si grâce à la technique, on parvient à les franchir, pourquoi se priver de ce plaisir? Mais me demanderez-vous peut-être, comment sait-on qu'un piton tient? Eh bien, je vais vous donner ma version. Lorsque le piton est enfoncé grâce au marteau dans cette fissure, il produit un son. Et ce son doit partir du grave jusqu'à l'aigu, par exemple. Dong, 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 ding. Le piton chante. Alors là, on sait que le piton tient. Par contre, s'il a l'air de s'enfoncer dans une motte de beurre ou dans de la terre, le piton ne tiendra pas. D'où, je pense, l'importance d'être musicien en haute montagne. Pour descendre le long de ces parois verticales ou en surplomb, il n'y a guère qu'un moyen, le rappel de corde. Pour cela, l'alpiniste doit placer sa corde en double par le milieu autour d'un becquet de rocher ou à défaut autour d'un piton de fer. Il descend ensuite en se tenant aux deux brins de la corde. Une fois en bas, il tirera l'un de ses deux brins, l'autre remontera, passera ainsi autour du becquet ou du piton, puis retombera aux côtés de l'alpiniste. C'est ainsi que celui-ci rappellera sa corde et c'est de là que vient l'expression. Après quoi, le rappel n'est plus qu'un procédé de descente agréable et sûr. Agréable et sûr, oui,
vu par Gaston Rebuffat, mais moi, pour l'instant, je dirais plutôt un petit sac de pommes de terre. Quant aux mains, pour le violoncelle, c'était pas un exercice recommandé. Et puis en bas, donc, il faut tirer un des deux brins, en souhaitant que l'autre ne reste pas coincé au sommet. Aussi, c'est avec un grand soulagement que l'on voit arriver le deuxième brin. Et arrivé en bas, il faut plier la corde. Il y a deux cordes, la rouge et la blanche. Il y a bien quatre bouts, donc deux bouts blancs, deux bouts rouges. Il faut les trouver. J'en ai bien déjà trouvé un. Les autres ne doivent pas être bien loin. Mais tout ce que vous allez voir là n'est malheureusement pas inscrit dans aucun manuel du club alpin français. C'est la technique dite en plat de nouilles, forte en usage chez l'alpiniste débutant. Et oui, rejoignons Gaston qui est parti sur une pente de glace et aussi d'apprendre qu'en montagne, s'il y a beaucoup de rochers, il y a aussi beaucoup de glace. Et la technique de la glace, eh bien cela s'apprend. Les pieds chaussés de crampons. De crampons 10 pointes à l'époque. Crampons qui doivent être enfoncés perpendiculairement à la pente. Et cela, quelle que soit la pente. Quant au piolet, il doit bien y avoir une technique qui, pour l'instant, m'échappe. Car il ne faut pas se coucher contre la paroi. Ne pas mettre non plus les pieds de cette façon, mais bien enfoncer les pointes perpendiculairement à la pente, quelle que soit la pente. Quant au piolet, mieux que je ne le saurais le dire, regardons Gaston enfoncer son piolet pour assurer le second de la cordée. Piolet enfoncé le plus profondément possible dans cette couche glacée. Corde qui coulisse et qui se bloque à la moindre tentative de chute. Et puis si la pente devient plus raide, si la neige fait place à la glace, il faut tailler des marches. Et ça, c'est le travail du premier de cordée. Ce qui ne va pas sans certains inconvénients pour le second de cordée. Et tandis que le premier taille consciencieusement sa marche d'arrière en avant, d'avant en arrière, et dégageant la neige de la panne de son piolet, tant est si bien que si le premier a bien chaud, le second, lui, commence à geler. Aussi, une seule méthode, se couvrir. Alors Gaston, qu'est-ce qui se passe? Il neige là-haut? Et grâce à la technique du cramponnage et de la taille des marches, l'alpiniste parvient à escalader des pentes de glace presque aussi raides que les parois verticales de granit.
Et si la glace devient moins bonne, l'alpiniste peut assurer sa progression en plantant des pitons à glace. Et l'alpiniste peut aussi tailler des prises pour les mains avec le piolet. Et là, nous sommes dans les séracs du Mont Blanc du Tocul, à 4000 mètres d'altitude. Et puis pour s'élever le long de cette bande de glace, c'est avant tout une question d'équilibre. Et pour la descente, droit en bas, avec un petit coup de piolet sous les crampons pour que la neige ne botte pas. Et puis, allez, pour aujourd'hui, fini la technique. Et je réservais à mon ami Gaston une autre surprise. Nous sommes d'abord allés au Pitzbadil. C'est une muraille qui fait 900 mètres de hauteur.
Le Piz Badil est moins connu que d'autres montagnes de l'Engadine comme le Piz Bernina ou le Piz Palu. Son altitude est modeste. Le Piz Badil ne fait que 3308 mètres d'altitude. Mais le Piz Badil a été pendant des années et des années le problème de l'Engadine. De Saint-Moritz, qui est la station connue de l'Engadine, on passe le col de Maloria et on arrive ainsi au petit village de Promontonio. C'est un des plus petits villages de montagne qui puisse exister. C'est un mélange d'ordre suisse et de fantaisie italienne. De Promontonio, on remonte un vallon enchanteur, le Val Bandasca, et on arrive ainsi par un petit glacier au pied de la face nord-est du Piz Badil. On a alors l'impression de se trouver au pied de la plus belle pyramide qui puisse exister. Mais la conquête de la haute montagne est récente. C'est seulement vers 1760 que les hommes osent s'approcher des grandes parois. Finalement, en 1786, sous l'impulsion du savant genevois Horace Bénédict de Saussure, le Mont Blanc est gravi pour la première fois par le docteur Paccard et le guide Jacques Balma de Chamonix. L'année suivante, en 1787, c'est le savant lui-même, de Saussure, qui a la bonne fortune de faire la deuxième ascension du Mont Blanc. Dès lors, la montagne devient à la mode. On en parle dans les salons. Un à un, tous les grands sommets vont être gravis. Un seul résiste, c'est le Cervin. Vous avez tous vu cette belle pyramide à cheval sur l'Italie et la Suisse. Finalement, après une série d'échecs, un Anglais, Edward Whymper, un des grands noms de l'alpinisme, réussit le 14 juillet 1865 la première ascension du Cervin. Vous devinez la joie de Whymper et de ses compagnons au sommet de la magnifique pyramide. Mais malheureusement, peu après que les 7 alpinistes de la cordée de Whymper aient quitté le sommet, au début de la descente, 4 d'entre eux tombent dans la face nord et se tue. Mais cette soif de conquête, de découverte, d'escalade, d'ascension qu'ont connu les pionniers, leurs héritiers vont à leur tour la connaître. C'est pourquoi, tout de suite après l'ascension du Cervin, on va assister à la reconquête de chaque montagne par tous les itinéraires possibles. Quelques faces vont résister bien plus longtemps que les autres, les faces nord. Il se trouve d'une manière générale que les faces nord sont plus raides, plus haute, plus difficile, plus verglacée que les faces sud, est ou ouest. Pour toutes ces raisons, les faces nord sont donc les dernières grandes parois à être gravies. Et dans toutes les Alpes, il y a 5 grandes faces nord, réparties dans les 5 grands massifs. La face nord des Grandes Jorasses dans le massif du Mont Blanc, la face nord du Cervin dans le Valais, la face nord du Piz Badil dans l'Engadine, la face nord de la Cima Grande d'Ilavaredo dans les Dolomites et la face nord de l'Eiger ou Eigerwand dans l'Oberland bernois. Et bien maintenant que je vous ai situé ces grandes faces nord dans le temps, dans l'espace, continuons l'ascension du Piz Badil. Et pour chacune de ces grandes ascensions, nous avons choisi de vous montrer les passages les plus beaux. Et au Badil, c'est ce grand dièdre. Un dièdre, c'est comme un livre ouvert. Et c'est la sortie du dièdre, là où il y a ce ressaut sombre et surplombant, qui est le passage le plus difficile. Mais durant toute l'ascension, le rocher du Badil est excellent, et c'est pourquoi cette ascension procure un grand plaisir aux vainqueurs. Et nous sommes allés ensuite à la face nord des Grandes Jorasses. Oui, les Grandes Jorasses se trouvent dans le massif du Mont Blanc. Elles sont invisibles de Chamonix. Il faut aller au Mont-en-Vert. Et là, dans le prolongement de la mer de glace, tout à fait au fond, il y a le glacier de l'Échaud et la face nord des Grandes Jorasses.
Alors à droite, à l'ombre, c'est la face nord, c'est la France. Et à gauche, au soleil, c'est l'Italie. Ainsi, les grandes Jorasses sont frontières entre deux pays, mais il s'agit bien là d'une merveilleuse et irréelle frontière. Les montagnes, loin d'être un obstacle, sont au contraire un lien entre les habitants de Chamonix et de Courmayeur. Là, nous venons de quitter le glacier de l'Échaud. Nous sommes exactement à 3000 mètres d'altitude, tandis que le sommet culmine à 4208 mètres. Et dès cette deuxième ascension, vous vous rendez compte combien chaque ascension est différente des autres. Chaque montagne a son histoire, son allure, sa forme. Chaque ascension a son style, chaque rocher a sa couleur et même son odeur de pierre. Ici, c'est encore du granit, mais un granit à plus gros grains, à reflets un peu fauves. C'est de la protogine. Sur notre gauche, c'est la chute de Sérac qui descend du col des Hirondelles. Sur notre droite, c'est le grand couloir de glace qui canalise les chutes de pierre et les avalanches. C'est un endroit dangereux. Il ne faut pas y aller. Il ne faut même pas s'en approcher. Et nous voici maintenant dans la grande pente de glace. Et là, nous sommes heureux de signaler les traces de pas faites pour notre ami, l'opérateur Georges Terrase. Et combien ces traces visibles nous sont chères, car Georges Terrase, toujours présent, grâce à son image dans cette grande face nord des grandes Jorasses. Riccardo Cassin et deux compagnons italiens, Esposito et Ratti, qui firent en 1938 la première ascension fort convoitée des Grandes Jorasses. Et Gaston Rebuffat en fit la seconde ascension. Et pour Gaston Rebuffat, comme pour moi, les Grandes Jorasses sont une des plus belles montagnes qui puissent exister. Et puis, comme à chaque changement de face nord, nous envoyons une carte postale aux enfants qui nous attendent à la maison, à Chamonix. Et ce coup-ci, ils apprennent que nous allons dans les Dolomites, à la Cima Grande di Lavaredo. Les Dolomites sont de bien belles montagnes. Elles semblent jaillir des champs de fleurs. Dans les Dolomites, il n'y a presque pas de glaciers, presque pas de neige éternelle. Les parois sont bien trop raides pour que la neige puisse y accrocher et y demeurer. Et avant même le monde de la haute montagne, il y a de si beaux paysages. Voici le petit lac de Carezza. Et puis voici le Trecime di Lavaredo.
C'est un Italien né au bord de la mer, à Trieste, et devenu guide, Emilio Comici, qui le premier a cru en la face nord de la Cima Grande. Il avait fait je ne sais combien de tentatives, il plantait des pitons, puis à bout de force, il devait redescendre. Finalement, en 1933, il en réussit la première ascension en compagnie des frères Dimaï de Cortina. Et malgré les nombreux pitons laissés au cours des tentatives, il leur a fallu encore 2 jours et 1 nuit. Ils ont bivouaqué, passé toute la nuit debout sur les étriers. Et c'est alors que des compagnons, guides venus de Cortina d'Ampezzo, sont venus à la base de la paroi avec des instruments de musique et ont fait un petit concert nocturne pendant que les 3 alpinistes étaient debout sur leur étrier. Lorsque Gaston Rebuffat m'a raconté cette histoire, je n'ai eu de cesse que d'apporter mon violoncelle en haute montagne. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Mais dans cette paroi, le vide est un boulet pesant sous nos pieds. Puis, peu à peu, le vide qui s'encadre entre nos jambes devient au contraire un compagnon familier. Et c'est de ce grand vide que naît la joie de grimper dans les Dolomites. Au début de l'ascension, j'étais quand même impressionné, puis peu à peu, je me suis habitué. Durant ces grandes courses, nous parlons peu. C'est au mouvement des cordes que l'on devine les moindres mouvements de son compagnon. Alors simplement, un sourire, un regard, quand nous nous retrouvons au relais. La confiance est entre nous. Tout en bas, écrasé de lumière, c'est le pierrier. Droit au-dessus du pierrier, la face nord, bien froide, bien raide, bien dure. C'est seulement dans sa partie supérieure, alors que le soleil a débordé la crête sommitale, que le haut de la paroi est un peu réchauffé par les rayons du soleil. Maintenant, en dessous de nous, d'un seul jet, 500 mètres de vide. Nous approchons du sommet.
c'est uniquement aux pitons et mousquetons que l'on peut s'assurer le long de grandes parois comme la face nord de la Cima Grande. Et maintenant, nous avons atteint une large terrasse, le seul endroit où l'on puisse se tenir l'un à côté de l'autre. Il y a cette terrasse, ce très beau nez, au-dessous duquel on peut voir ce si joli panorama. Et là, Gaston m'a dit, allez maintenant, prends une pierre et laisse-la tomber. Surtout, ne la jette pas, ouvre la main, laisse-la tomber. Et la pierre avait longé la paroi sans la toucher, sans ricocher contre la paroi. D'un seul jet, elle était allée s'incruster dans le pierrier, 500 mètres plus bas. En tombant 20 mètres à l'extérieur par rapport à la base de la paroi, c'était bien la preuve, la démonstration que la paroi était plus que verticale. Elle était vraiment au surplomb. Et maintenant, tous les deux ensemble, nous allons atteindre le sommet. Mais chaque fois que je vois cette image, je me dis toujours, et si au moins une fois, la caméra avait bien voulu marcher toute seule, afin que nous soyons tous les trois, Gaston, Georges et moi, au sommet. Et des Dolomites, nous sommes allés à l'Eigerwand, dans le Berland bernois. L'Eigerwand est une montagne sinistre. C'est un pavé dans un champ de fleurs. Et dans les prairies aimables qui entourent la petite Scheidegg, le rocher y est mauvais. C'est un calcaire friable. La glace y est noire, vitreuse. Cette paroi ne respire pas la joie, mais elle est là. Et des hommes ont donné jusqu'à leur vie pour la conquérir. En 1935, Seldmeyer et Meringer ont fait une tentative. Leurs camarades qui les suivaient à la jumelle étaient inquiets. Ils ne les voyaient plus. Le mauvais temps était sur la paroi. C'est ainsi qu'en 1935, Seldmeyer et Meringer ont été les deux premiers à périr dans la face de l'Eiger. L'année suivante, les tentatives ont continué. Voici le jeune Hinterstoisser et son camarade Kurtz, deux Autrichiens, qui ont rencontré dans la paroi deux jeunes Allemands, Hangerer et Rainer. Tous les quatre ont uni leurs efforts, mais là encore, le mauvais temps est arrivé. Après 4 jours d'une descente terrible, les 4 alpinistes sont morts dans des conditions effroyables. L'année suivante, les tentatives vont encore continuer, mais ce n'est qu'en 1938 que 2 Allemands, Ekmer et Forcht, et 2 Autrichiens, Kasparek et Heinrich Harrer, ont réussi, selon l'itinéraire qui va se dérouler devant vous, la première ascension de la face nord de l'Eiger, malgré le mauvais temps survenu le 3e et le 4e jour. En 1952, Gaston Rebuffat réussit l'ascension de la face nord de l'Eiger. Et lui aussi, il a été pris par le mauvais temps. Et il me semble que pour cette montagne, à l'exclusion de tout autre, le mauvais temps fait partie intégrante de l'ascension, tout autant que les fissures ou que les cheminées. Et je crois que, pour être vraiment sûr d'avoir fait l'Eiger, il faut avoir été pris par une sérieuse tempête. L'année où nous avons fait le film, eh bien, pour faire nos prises de vue, nous sommes allés 2 fois dans cette sinistre paroi. Et les 2 fois, nous avons eu un temps douteux, puis le mauvais temps. Georges Terrasse n'était pas tellement content. Il se disait déjà dans ses sacrés faces nord, il n'y a jamais le soleil. Mais comment veux-tu que je fasse de belles images? Et ici, en plus, il n'y a aucune lumière autour de nous. Il n'y a que des nuages, puis la tempête. Mais nous étions sûrs, Gaston et moi, qu'avec Terrasse, il y aurait quelque chose de tout à fait valable sur la pellicule. Et au fond de nous-mêmes, nous n'étions pas mécontents. On se disait, ben, cela correspond au vrai visage de l'Eiger. Et on se rend bien compte aujourd'hui que si nous vous avions montré l'Eiger avec un grand soleil, nous vous aurions trompé. L'Eiger sans tempête n'est pas l'Eiger. Les pentes de neige y sont comme en suspens. Le rocher y est mauvais. Imaginez des feuilles de rocher disposées comme des piles d'assiettes sur plusieurs mètres et parfois sur plusieurs dizaines de mètres de haut. Tout cela tient, on ne sait trop comment.
Souvent c'est le gel, la glace qui retient ces énormes masses de pierre, mais de temps en temps le feu, le vent chaud souffle, et alors ce sont de grandes avalanches qui descendent le long de la paroi dans un fracas épouvantable. C'est la façon dont cette sinistre montagne attire l'attention des touristes de Grindelwald ou de la petite Scheidegg. Et Gaston m'a raconté qu'avant qu'il n'en fasse l'ascension, en 1952, avec Leroux, ils étaient en grande forme tous les deux. Ils voulaient essayer de réussir l'ascension en une seule journée, de manière à ne pas risquer le mauvais temps. En 2 heures de temps, ils avaient gravi le tiers de la paroi. Ils étaient prêts à affronter les fissures les plus dures, les pentes de glace les plus raides, quand tout à coup, leur élan a été stoppé par des chutes de pierre. Et à ce propos, retrouvons Gaston Rebuffat. Je voudrais vous expliquer ces deux notions bien différentes et que l'on confond si souvent à l'endroit de l'alpinisme. La notion de difficulté, qui est une chose saine, virile, et la notion de danger, qui est bête, malsaine. Ainsi, nous avions été stoppés non par une difficulté, mais par un danger. Et la plus belle technique, la meilleure expérience, ne prévalent pas contre les chutes de pierre. Nous aurions pu essayer de passer quand même. D'autres l'avaient fait et finalement, nous avons renoncé. Autant il nous est agréable dans notre fort intérieur d'escalader une fissure, par exemple, même si elle est extrêmement difficile, cela dépend de nous. Autant il nous serait extrêmement désagréable de courir un danger dont nous ne sommes pas maîtres. L'été dernier, pour faire les prises de vue, nous sommes allés le plus haut possible dans la paroi, malgré les très mauvaises conditions de la montagne. Puis il est arrivé un moment où l'ascension, d'extrêmement difficile, devenait vraiment dangereuse. Alors là, nous avons fait demi-tour. Et il me semble que, parfois, il faut plus de volonté pour faire demi-tour que pour continuer. Et pour aller jusque-là, nous avions dû escalader des passages nettement plus difficiles que tous ceux de la voie en entier à cause des très mauvaises conditions de la montagne. À la descente, le vide se creuse davantage, les prises se présentent mal, surtout sur ce rocher mouillé, gluant, verglacé par endroits. Mais ainsi, nous étions doublement dans la tradition. Nous avions le mauvais temps et nous étions aussi dans la tradition des pionniers qui avaient ouvert la voie et qui avaient dû faire demi-tour dans la tempête. Heureusement, maintenant, il existe le rappel pour descendre le long des parois, comme l'Eigerwand. Nous avions ajouté l'une à l'autre nos deux cordes de 60 mètres chacune, de manière à perdre à l'occasion de chaque rappel la plus grande dénivellation possible. Mais en bas de chaque rappel, nous étions bien inquiets. Nous nous disions chaque fois, pourvu qu'une si grande longueur de corde ne se coince pas en route, pourvu que la corde revienne bien. Et son retour nous paraissait interminable. Et quand la corde était venue, une autre difficulté nous attendait. Il s'agissait de trouver dans ce rocher pourri une fissure saine dans laquelle nous puissions planter un piton solide pour installer un autre rappel. En dessous de nous, c'était une succession de pentes de neige plus raides l'une que l'autre, comme une succession de tremplins de sauts, l'un au-dessus de l'autre, sur 500 mètres de hauteur. Maintenant, nous utilisons des cordes de nylon. Entre autres avantages, ces cordes restent aussi souples lorsqu'elles sont mouillées que lorsqu'elles sont sèches, contrairement aux cordes de chanvre. Mais d'un autre côté, le nylon prend l'eau et chaque fois que nous tirions le rappel, une petite fontaine coulait le long de la corde et s'infiltrait le long de nos manches. La structure de l'Eiger n'est pas une structure simple, contrairement à celle du Badil ou de la Cima Grande. Le cheminement y est tortueux. À la montée,
On monte 50 mètres, on traverse à droite, 50 mètres, on traverse à gauche. Mais à la descente, c'est beaucoup plus délicat. Le premier ne peut pas grand-chose pour le deuxième. Mais heureusement, dans ces très mauvaises conditions, va tout se passer bien. À part cette avalanche de pierres. C'était tard le soir et c'était même le début de la nuit. Nous descendions encore en rappel. Et le lendemain de Grindelwald, nous avons envoyé une carte à la maison pour dire que nous ne rentrions pas encore. De Laeger, nous allions vers le Cervin. Et le mauvais temps continuait. Mais si nous voulions avancer dans notre travail, il ne fallait pas attendre le beau temps au fond de la vallée, sinon nous aurions laissé se gaspiller les quelques journées parfois, même les quelques heures de beau temps. Il fallait partir quand même et être à pied d'œuvre dès l'instant où arriverait la moindre éclaircie. C'est pour cela que nous avons continué vers le Cervin. En ce moment, nous sommes sur la crête qui va du col de Fourgon au col de Breuil en vue de rejoindre la cabane de Hornley, qui est le point de départ pour la face nord du Cervin. Et sur cette crête, habituellement très facile, nous nous sommes heurtés à un véritable mur de tempête. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour escalader ce ressaut rocheux qui fait suite à la crête de neige et qui, habituellement, est très facile. Mais nous étions tellement bousculés par le vent que son escalade devenait très dangereuse. Et finalement, nous avons dû faire demi-tour. Il fallait hurler pour s'entendre à peine. Alors nous sommes revenus sur nos pas pour essayer de trouver une autre voie qui serait peut-être plus facile. Et Georges Terrasse nous a dit plus tard qu'il croyait filmer là nos dernières images. Non, il n'en a rien été. Et nous avons bien fait de continuer car nous avons pu atteindre le haut de ce ressaut. De là, nous avons pu rejoindre la cabane du Hornley. Elle était déserte. Tout le monde était parti devant le mauvais temps. Et nous avons bien fait de continuer, car le lendemain matin, nous avons eu un cadeau d'une extraordinaire beauté. De nous être rendus, après des journées d'absence, dans les nuages et dans le mauvais temps, le Cervin nous paraissait encore bien plus beau. Nous étions seuls en montagne. Il y avait là un silence d'une rare qualité. Le rocher, là encore, est différent. Ce n'est pas le granit des Jorras ou du Badil, le calcaire de la Cima Grande ou de l'Aiger. Ce sont des schistes granitisés et dans cette face nord difficile, inhospitalière, nous avons fait une rencontre heureuse. Nous avons trouvé ces délicats saxifrages et ce n'est pas parce que nous aimons les escalades acrobatiques que nous ne regardons pas les fleurs. Maintenant, nous avons passé la Rimaille et nous sommes dans la grande pente de glace de la face nord du Cervin.
la confiance est mutuelle. Ensemble, nous nous élevons le long de ces profondes cannelures qui ont été creusées par les avalanches aux heures chaudes. Puis aux heures chaudes, le soleil ayant ramolli la neige dans le haut de la paroi, celle-ci ne retient plus les pierres qui descendent alors en de grandes avalanches. Mais nous ne risquions rien. Nous étions très tôt le matin. Il avait fait très froid durant la nuit. Les pierres restaient bien prisonnières dans la glace. Il y avait seulement ces petites coulées de neige fraîche, ininterrompues, mais tout à fait inoffensives. Voici la face nord du Cervin, gravie pour la première fois par les frères Schmitt. De toutes les grandes faces nord, c'est la paroi qui a été la moins escaladée. Elle fait 1100 mètres de dénivellation pour aboutir tout en haut, au sommet du Cervin, à 4480 mètres d'altitude. Voici la face sud. Et voici la face nord, bien droite, bien raide, bien verglacée. Ainsi, nous avions terminé nos prises de vue dans les cinq grandes faces nord, et pourtant, il nous restait encore une course à faire. C'est pour cela que nous avons envoyé un mot à la maison pour dire que nous ne rentrions pas tout de suite. Du Cervin, nous allions aller au Mont-Blanc. Vous vous souvenez sans doute que le premier jour sur la route du col des Montets, j'avais timidement demandé à Gaston Rebuffat « Est-ce qu'un jour, vous m'emmèneriez au sommet du Mont-Blanc ?» Et Gaston avait répondu tout de suite « Bien volontiers. Et bien maintenant, nous allons aller au Mont-Blanc par son plus bel itinéraire, l'arête italienne de Petrey. Nous avons remonté la vallée d'Ost, où il y a de si jolis villages, puis pour faire cette course, cette arête de Petrey au Mont-Blanc, nous avions tout notre temps. Notre esprit ne serait pas accaparé par de grandes difficultés et surtout par un éventuel danger. Non. Dans cette ascension, il n'y avait pas de pente de neige qui, aux heures chaudes, de difficiles, devenait dangereuse. Et maintenant, nous voilà partis comme le premier jour, sur la route du col des Montets, tel Don Quichotte et Sancho Panza. Cette belle crevasse, et pour cette grande occasion, j'ai trouvé un nouveau chapeau. Et oui, cet été-là, nous avons eu beaucoup de mal pour faire des prises de vue à cause du temps incertain. Tantôt c'était le vent du nord, le vent ami des alpinistes qui prenait le dessus. Tantôt c'était le vent d'ouest qui ramenait sa cargaison de nuages. Entouré de brume, le versant italien du Mont Blanc, qui est déjà si sauvage, si chaotique, est encore bien plus grand.
Vers le soir, le temps se gâtait. Et peu avant la nuit, il y a eu dans le ciel une bagarre extraordinaire entre le vent du nord et le vent d'ouest. Finalement, c'est le vent d'ouest qui a pris le dessus. Il nous fallait nous hâter pour trouver un emplacement pour bivouaquer, car nous désirions aussi bivouaquer au cours de cette ascension pour connaître tous les visages de la haute montagne. Et je crois que l'alpiniste, qui ne fait des courses que par beau temps, ou seulement au départ du refuge, connaît les splendeurs de la haute montagne, mais d'un autre côté, il en ignore les mystères. Le soir, quand vient la nuit, et c'est seulement lorsqu'il bivouaque qu'il peut tout à fait participer à la vie de la haute montagne. Au bivouac, j'étais à la fois gai et impressionné. Les bivouacs sont parmi les plus durs moments de la carrière d'un montagnard, mais aussi parmi les plus beaux. L'alpiniste peut alors saisir tout le côté cosmique et sidéral de notre sport. Au petit matin, le vent du nord semblait reprendre le dessus. Effectivement, quand le jour s'est levé, le beau temps est revenu. Durant le bivouac, nous restons encordés et nous nous attachons solidement à un piton fixé dans le rocher. Nous sommes exactement comme un tableau contre un mur. Pour bivouaquer, nous mettons ces grandes cagoules en nylon et par-dessus des vestes et des capuchons, duvets. Grâce à ce matériel, nous n'avons pas trop froid durant la nuit. Nous pouvons aller, sinon dormir, du moins somnoler un peu. Maintenant, nous allons récupérer notre matériel, nos pitons, nos mousquetons, rechausser les crampons et reprendre l'ascension. Maintenant, nous sommes à 4500 mètres, dans la grande pente de Peutray. Il fait beau. Le soleil est autour de nous et nous sommes heureux d'être là. Écoutons Gaston Rebuffa. Ils sont simples et sans éclat, les instants qui fondent le bonheur et l'amitié. Ils sont si naturels qu'ils ne paraissent pas évidents. Depuis ce matin, tandis que nous grimpons, quelque chose me réjouit. Au début, je pensais que cela venait de l'escalade elle-même. Mais ce bonheur qui monte en soi vient aussi d'autre chose. Il y a tous ces petits frémissements de l'atmosphère que nous recevons en confidence, ce goût de l'air, le soleil autour de notre montagne. Et tout cela encore n'est qu'un parfum. La vérité, c'est que nous sommes deux hommes sur une patrie de glace et de pierre et que nous marchons vers le même sommet. La joie de l'accorder, c'est de réaliser ce projet des premiers jours. La mienne, c'est de l'y aider. Et que serait le guide sans celui qu'il conduit? C'est bien là le meilleur cadeau de nos montagnes. Gravissant un sommet, un homme fait son travail, un autre est en vacances, et le luxe de leurs efforts, c'est leur amitié. Le métier de guide est parmi les plus beaux qui puissent exister, parce que l'homme l'exerce sur la terre restée vierge. De nos jours, peu de choses subsistent. La nuit n'existe plus, ni le froid, ni le vent, ni les étoiles. Tout est neutralisé. Tout va si vite
et fait tellement de bruit. Quelle curieuse rencontre entre des hommes et ces pentes de glace indifférentes. Chaque jour de l'été, le montagnard se lève de bon matin pour interroger le ciel et le vent. Hier soir, nous étions inquiets. Des nuages rayaient l'ouest. La voie lactée scintillait trop crûment. Le froid se faisait attendre. Mais ce matin, le vent du nord ayant pris le dessus, la neige et le ciel étaient en ordre. Nous avons pu repartir. Alors une corde réunit deux êtres qui n'ont plus qu'une vie. Quand deux hommes partagent le meilleur et le pire, ce ne sont plus deux étrangers. Par la répétition inévitable des mêmes ascensions, le métier de guide pourrait devenir fastidieux. Mais le guide n'est pas seulement une machine à grimper les rochers et les pentes de glace, à connaître le temps et l'itinéraire. Le guide ne grimpe pas pour lui. Il ouvre les portes de ses montagnes à ses compagnons. Il sait que telle ascension est particulièrement intéressante, que telle arête de neige est une pure dentelle, qu'à tel détour, soudain, la vue est belle. Il ne dit rien. Mais sa récompense est dans le sourire de son compagnon quand celui-ci découvre. Et nous sommes heureux d'être là, et aussi gais que les premiers jours. En dessous de nous, l'arête de Peutray, l'aiguille blanche, le col de Peutray, le pilier d'angle, et l'arête où nous voici, qui unit le Mont Blanc de Courmayeur au sommet du Mont Blanc. À perte de vue, les vallées italiennes. Maintenant, nous ne sommes plus qu'à une centaine de mètres du sommet du Mont Blanc. Et tout à coup, nous recevons un coup de vent. En quelques instants, le temps semble se gâter. Seuls les puits au sommet émergent encore des nuages. L'aiguille de Trélatête, les dômes de Miage, l'aiguille de Bionasset. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres du sommet du Mont Blanc. Lentement, comme à regret, nous gravissons les derniers mètres. Et ce sommet du Mont Blanc et ses nuées rendent encore plus irréel notre arrivée au sommet du Mont Blanc. Nous en gravissons les derniers mètres. Car c'est la dernière course du film, aussi la dernière course de l'été. Et nous retrouvons les traces des ascensionnistes montés par la voie normale. Et nous redescendons vers Chamonix pour de nouvelles aventures. Thank you.
Thank you.